C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre qu'un nouveau cycle s'annonce, mais ça n'est pas le premier cycle de sa vie. Donc on ne part pas sans aucune connaissance, on ne part pas sans aucune expérience, on ne part pas sans aucune sagesse. On commence juste un chapitre d'une autre façon. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle sur la polarité masculine dans le parcours FJ. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, d'accord? Tu peux passer en polarité masculine si tu es resté longtemps dans une polarité féminine et vice-versa. Les changements énergétiques peuvent être nombreux sur le parcours. Prends vraiment ce qui résonne pour toi et ce qui t'aide à comprendre une situation, ce qui t'aide à avancer comme d'habitude, ok? Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour la polarité masculine. Moi, je ressens quelqu'un qui se replie énormément sur lui ou sur elle. Une polarité masculine peut être un homme, une femme, hein, tu le sais, les énergies ne sont pas genrées. Oh là là, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée, mais alors à contre-courant. Là, on est à contre-courant. Alors là, on fait pas machine arrière, mais on croit que pour mieux prendre la vague, il faut vraiment foncer dedans. On n'essaye pas de surfer dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est en train d'aborder un chapitre de sa vie quand même assez intense, assez dense aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'implications. On lui demande beaucoup, beaucoup d'investissements. Même au niveau purement financier, hein, son confort financier est en jeu, il n'est pas en déséquilibre, il n'est pas précaire, il n'est pas remis en question. Il reste constant, mais il se pose énormément de questions. C'est une polarité masculine qui est très très inquiète sur son confort financier de toute façon et qui a du mal à sortir la tête de l'eau parce qu'on se pose énormément de questions. On se pose énormément de questions sur sa vie, on se pose énormément de questions sur les positionnements et les choix qu'on a fait par le passé et même de façon toute récente. C'est quelqu'un en fait qui est revenu dans le passé au niveau de ses pensées et donc au niveau énergétique. Tu vois, c'est quelqu'un qui a replongé dans la vague du passé et qui se perturbe en fait seul. Tu vois? Voilà, et qui a développé un blocage seul. Donc, on l'amène à prendre des décisions, on l'amène à faire des choix. Alors, c'est quelqu'un qui, quand même, essaye d'assumer ses responsabilités de bon cœur, ou en tout cas avec la meilleure volonté possible, d'accord? Donc, ça peut être toi, ça peut être la personne à qui tu penses. C'est quelqu'un qui essaye de s'investir, si tu veux. S'il y a une vie de famille, on essaye de s'investir, on essaye de faire au mieux. S'il y a une vie avec une énergie tierce, on essaye d'être au top du top. En tout cas, on essaye de contourner les conflits par contre. Voilà, on marche sur des œufs, on sent très bien quels sont les sujets tabous, quels sont les sujets sensibles, quels sont les sujets qui vont piquer un petit peu l'autre et attiser des conflits. Donc on souhaite s'éloigner de ça. Au niveau professionnel, on veut être parfait, irréprochable, hyper performant. D'accord? Donc c'est quelqu'un là qui cherche le top du top dans sa vie et qui se met énormément de pression pour être mais irréprochable. C'est quelqu'un qui ne veut plus qu'on lui fasse de reproches. On ne veut plus recevoir de reproches, on ne veut plus recevoir de remarques désobligeantes. On veut y voir plus clair et pour y voir plus clair, comme on ne peut pas se couper du monde, comme on ne peut pas se couper du relationnel proche ou moins proche, on veut être irréprochable. C'est une façon que la polarité masculine a trouvé pour essayer de trouver un petit peu de paix, tu vois? Parce que il ou elle se pose énormément de questions et se trouve vraiment dans une indécision grandissante, hein, de toute façon. Tu sais, c'est quelqu'un qui a comme la sensation d'avoir un pied sur chaque rive d'un fleuve, si tu veux. Voilà, et qui essaye d'avancer comme ça, de façon très symbolique. L'image est un petit peu particulière, elle est un petit peu saugrenue, mais c'est vraiment pour te montrer son inconfort, tu vois. Sauf que c'est une personne qui ne voit pas que ça n'est pas un fleuve, c'est juste un petit ruisseau qu'il ou elle a en face. Donc on peut facilement le traverser même à pied, tu vois. C'est quelque chose qui est alimenté par des pensées, qui est alimenté par le mental, d'accord. On a tendance à se noyer dans un verre d'eau, comme on dit, hein. Donc par rapport à une communication avec toi, on y pense, hein. On y pense, mais alors c'est quelqu'un qui se sent et qui se met tout seul à bout de souffle, si tu veux. Voilà, on puise énormément dans ses forces, on puise dans ses réserves, on veut tellement être au top du top, on veut tellement être parfait, que finalement on ne profite de
plus de rien, si tu veux. Et on en revient à porter un masque, si tu veux, ben, le masque de la personne ultra sociable, ultra avenante, toujours de bonne humeur, toujours en forme, toujours productive, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est juste le chaos. À l'intérieur de cette personne, c'est juste le chaos. Là, on a une énergie masculine qui est, mais en grande remise en question, mais de lui-même ou d'elle-même, hein, vraiment, hein, de sa place dans sa vie. C'est profond, hein. C'est profond. On n'est pas sur ce qu'on appelle, de façon très pompeuse, encore une fois, la nuit noire de l'âme ou l'éveil. Non, 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 c'est une grosse période de déprime qui aurait besoin d'un gros, gros moment de décompression, vraiment. Sauf que ce moment de décompression, on ne se le donne pas. On ne se le donne pas. Et il sait que là, la polarité féminine pense à lui ou à elle. C'est ça. Mais on a peur. Mais on n'est pas prêt. On n'a absolument pas établi de plan pour s'en sortir. On sait qu'on va devoir faire des choix. On sait qu'on va devoir prendre des décisions. Mais là, je te parle sincèrement de quelqu'un qui a presque peur d'elle-même. Tu vois, qui a presque peur de ses propres réactions attisées par la peur, attisées par l'angoisse. Donc des réactions très impulsives, si tu veux, des réactions à chaud. Ok? C'est quelqu'un qui a très peur de paniquer et de vriller complètement, si tu veux. Si un de ses repères vraiment importants du quotidien lui est enlevé ou est amené à changer. Et en fait, c'est quelqu'un qui prend le chemin de ce changement, si tu veux. C'est quelqu'un qui prend conscience que tout est mouvement, si tu veux, tout est changement perpétuel et tout est adaptation. C'est quelqu'un qui est aussi en train de comprendre que rien ni personne n'est jamais acquis dans la vie. Tu vois? La douleur est lourde, elle est réelle, hein, par contre, là. Là, on a une polarité masculine qui est vraiment dans la douleur, qui est dans la souffrance. Alors, inutile de me dire, oui, c'est bien fait pour cette personne parce que je lui ai tendu la main. C'est pas comme ça que fonctionne le parcours FJ, si tu veux. C'est pas comme ça. Donc, là, on a une personne qui est vraiment en souffrance. Elle est en souffrance. C'est quelqu'un qui aurait envie de crier, mais qui se retient énormément. Donc, au niveau de son sens de la communication, déjà qu'on n'était pas hyper confortable, là c'est quelqu'un qui s'est complètement coupé. Là, on est retourné dans un mutisme, mais plein et entier. Là, c'est optimal. Mais c'est un silence qui est synonyme aussi de sécurité pour cette personne. Là, on a une personne, si tu veux, qui fonctionne comme une cocotte minute. Sauf qu'à un moment donné, la cocotte minute se fait entendre quand il est temps de décompresser. Là, c'est quelqu'un qui sent qu'en fait le moment arrive, mais qui ne sait pas comment il ou elle réagira quand ça arrivera. C'est délicat quand même, là. Là, on a un esprit tourmenté. Hein. On a un esprit tourmenté parce que... Regarde. On a un esprit tourmenté parce que... Regarde, t'as vu ce qui se passe? Ben, c'est ça. Ça, c'est sa vie en ce moment. Ça, c'est sa vie en ce moment, en fait. Un effondrement, un sentiment de chaos. Alors, dans la réalité des faits, avec une vision beaucoup plus objective, ça n'est pas si chaotique que ça. Effectivement, c'est inconfortable, mais ça n'est pas si chaotique que ça. Il y a des pourparlers au niveau professionnel qui semblent ne pas aboutir parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des conflits d'intérêts aussi. Donc ça gêne cette personne pour certaines polarités masculines ici. Pour d'autres, on est sur un engagement avec une énergie tierce qui veut sauver les apparences, mais qui a perdu de son essence. Hein. Et c'est une personne, si tu veux, par esprit de vengeance de la part de cette énergie tierce, parce que là, on est vraiment sur un esprit de vengeance et de revanche, qui rame de toutes ses forces et qui rencontre beaucoup, beaucoup de difficultés, même relationnelles, si tu veux. Hein, là, on est dans un mal-être qui est attisé, qui a toujours été présent, si tu veux, mais qui est particulièrement attisé, là, en ce moment. Oui, on se pose énormément de questions. Là, on a une polarité masculine aussi, qui a une grande peur de ne plus jamais être aimé de qui que ce soit, si tu veux. Donc, quelque part, si c'est toi la polarité féminine, pardon, hein,
tu n'es pas forcément au centre de ses pensées, au centre de ses attentions immédiates. C'est une personne qui pense à toi malgré tout, de façon assez périodique, mais qui pour l'instant ne t'inclut pas dans un schéma relationnel amoureux, parce que c'est une personne là pour l'instant qui ne s'aime pas et qui cherche l'amour et l'attention à l'extérieur, et possiblement avec un entourage. Alors ça peut être une tierce, ça peut être un entourage amical, ça peut être une forme d'admiration au travail. C'est quelqu'un qui cherche, voilà, de l'attention à l'extérieur, si tu veux. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on se sent complètement esselé et on se sent dépourvu, en fait. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui panique déjà. C'est vraiment quelqu'un qui a l'impression qu'en fait, l'univers l'a laissé tomber. C'est pour ça que je te dis que c'est quelqu'un qui est en souffrance là pour l'instant. On a une polarité masculine qui est vraiment en souffrance et qui est en train d'être poussée à épurer un karma très très lourd. Très très lourd. Quand je parle de karma, je ne parle pas forcément de conséquences aux allures de revanche, d'accord, hein? Sinon, toi-même, ça te place dans des énergies qui ne sont pas très flatteuses. Il y a de ça malgré tout. Mais ne le prends pas comme une contrepartie qu'il ou elle aurait mérité, si tu veux. Parce que là, ça serait rajouté, au niveau énergétique, ça serait lui rajouter un poids inutile, vraiment. Vraiment, je préfère te le dire, hein. Et même pour toi, hein, si tu veux, ça te rajoute une énergie que tu pourrais transcender en quelque chose de beaucoup plus pertinent pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est dans un esprit de colère, dans un esprit de haine ou une envie de revanche, je ne dis pas que ça n'est pas légitime, attention, hein. Mais quand tu te places dans cette énergie-là et que tu la diriges vers une personne, toi-même, tu te places dans des énergies aussi basses. Tu vois? Donc, c'est assez contre-productif de dire, moi, j'ai envie d'aller mieux, j'irai mieux quand il ou elle aura eu la monnaie de sa pièce. Ah non, ça fonctionne pas comme ça, hein. Ça fonctionne pas comme ça. Et les relations humaines en général ne fonctionnent pas comme ça. C'est une réalité à prendre en compte, si tu veux. Pour t'aider justement à te libérer, ou en tout cas à laisser aller cette tristesse et cette colère, si tu veux, pour essayer de la transcender en quelque chose de plus productif pour toi. Là, on a quelqu'un qui est épuisé, mais alors qui ne se sent plus les épaules. Hein. C'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, là. Là, la polarité masculine, elle est au bout du rouleau. Faut pas lui demander quoi que ce soit, là. Inutile. Là, pour le coup, je parle vraiment à des FJ qui ne sont absolument pas en contact. Mais alors là, le silence radio est même peut-être un peu douloureux, tu vois. Peut-être pour certains d'entre vous. Mais le blocage là, son blocage interne, fait que cette coupure de contact est absolument nécessaire et quelque part, c'est pour lui rendre service. Vraiment. C'est quelqu'un qui manque extrêmement de clairvoyance, en fait. Bon, il y a confirmation qu'il y a une énergie tierce, effectivement, et c'est quelqu'un qui est persuadé que cette énergie tierce ne l'aime plus, ou ne va plus l'aimer, ou ne va plus jamais lui pardonner ses actes. Il y a un passif, hein, entre cette personne et cette énergie tierce, si tu veux. Ça a pu avoir des répercussions au niveau professionnel, donc c'est peut-être... C'est pour ça que je te parle de conflit d'intérêts, parce que c'est peut-être pour certains d'entre eux des personnes qui travaillent ensemble, ou qui collaborent ensemble, ou qui ont des connaissances communes en lien avec le travail, tu vois. Donc, tout se mélange, si tu veux. Donc, là, on a une polarité masculine qui perd littéralement les pédales. Là, on retombe, en fait, dans le mental, on retombe dans des illusions, on retombe dans des idées reçues, on retombe dans la peur, en fait, tu vois. On retombe dans le mental, c'est quelqu'un qui est tourmenté. Je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir fait une guidance sur la polarité masculine qui soit aussi sombre dans ses pensées et surtout dans son cœur. On a quelqu'un qui a un cœur brisé. On a quelqu'un qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé par sa situation actuelle. Pour ceux qui sont engagés avec une tierce, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé de voir que sa situation avec sa tierce ne sauve que les apparences, en fait. Quand on est avec eux, entre quatre murs, ça se passe pas du tout de la même façon qu'en public, ok ? C'est deux salles, deux ambiances, hein. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui a aussi le cœur brisé, mais qui ne veut pas forcément ouvrir les yeux sur ce
non-contact avec la polarité féminine, si tu veux. Donc, on a une polarité masculine qui ressent ces énergies, mais qui aurait tendance à projeter ses énergies sur cette polarité féminine. Si c'est toi la polarité féminine, normalement, tu devrais ressentir de temps en temps des moments de colère ou de déprime ou de grande lassitude, mais par rapport à la vie en général, sentiment que tu n'arrives pas à t'expliquer parce que visiblement, si c'est toi la polarité féminine ici, tu es quand même plutôt pas mal dans ta vie, si tu veux. Tu es quand même, tu es sur ton développement, il te reste du chemin à faire, il y a des moments vraiment pas faciles, tu as vraiment donné de toutes tes forces, il te reste encore du chemin à faire comme nous tous, mais tu es plus constant dans l'humeur. Ce sont ces énergies. Ce sont les énergies de la polarité masculine que tu ressens. Okay? Essaye de t'en protéger un petit peu malgré tout parce que ça risque de te ralentir, si tu veux. Ça risque, il faudrait pas que ça te porte sur le moral, sur ton énergie générale, sur ton essence vitale, si tu veux, hein, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui travaille vers un renouveau, qui va y aller, hein, qui va y arriver. Hein. Mais ce nouveau départ signifie pour lui ou pour elle un nouveau départ, mais à zéro en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre que un nouveau cycle s'annonce, mais ça n'est pas le premier cycle de sa vie. Donc on ne part pas sans aucune connaissance, on ne part pas sans aucune expérience, on ne part pas sans aucune sagesse. On commence juste un chapitre d'une autre façon, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a du mal à prendre de la hauteur par rapport à tout ça et qui aurait tendance à tomber dans la déprime et dans le défaitisme en disant non, je vais jamais y arriver, oh là là, je vais jamais y arriver, on m'en demande beaucoup trop, je suis pas capable de faire ça, je suis pas digne de faire ça. Et comment j'ai pu faire du mal à quelqu'un? Bon, c'est quelqu'un qui a une estime de soi qui est carrément à zéro. Alors là, pour le coup, on repart à zéro, mais sur tous les domaines. Tu vois, sur tous les domaines. Mais on n'a pas la force. On n'a pas la force physique, on n'a pas la force émotionnelle, on n'a pas la force nerveuse. Encore une fois, c'est quelqu'un qui donne le change en public, mais qui est terriblement en souffrance. Qui est terriblement en souffrance. Et qui prend conscience que il ou elle a créé, lui-même ou elle-même, cette grande période de turbulence, si tu veux, dans sa vie. Il y a de grandes questions qui se mettent en place là, mais on n'arrive pas à y voir plus clair. Hein. On n'arrive pas à se positionner. On se positionne plus par sécurité que par autre chose. Tu vois? On a du mal. Hein, voilà, on est retombé dans les croyances limitantes. On est retombé dans le mental. C'est quelqu'un qui va aller mieux, mais qui a déjà recommencé à se baser sur des croyances limitantes qu'il ou elle avait commencé à surmonter par le passé, si tu veux. Donc on n'est pas sur une régression, attention, hein. On n'est pas non plus sur une régression, on est plutôt sur un mouvement énergétique. C'est tout à fait normal, hein, d'avoir la sensation de régresser soi-même juste avant un cap important, si tu veux. Souvent on a l'impression de régresser ou de stagner, et quand on lâche prise et qu'on se dit, bon, j'abandonne, sinon je laisse tomber. J'en peux plus. C'est là qu'en fait les synchronicités les plus intéressantes ou en tout cas les plus significatives viennent à nous. Parce que justement, on libère des énergies de lâcher prise, on fait un petit peu plus confiance de façon inconsciente à l'univers et c'est comme si l'univers nous disait, ah ben voilà, tu t'attaches un petit peu moins à tes peurs, ben on va t'amener des synchronicités. Après, à toi de voir ce que tu en fais. À toi de voir ce que tu en fais. On te donne ce qui est pour toi, à toi de voir ce que tu en fais. Là, on a une polarité masculine à qui on dit ça, mais qui a du mal à le comprendre, si tu veux. Et qui s'appuie énormément sur l'affect. Et il y a un besoin d'affection qui n'a absolument pas été rempli là. Et c'est quelqu'un, encore une fois, hein, j'ai la carte du blocage personnel en fait. Hein, c'est quelqu'un qui est retombé dans une méfiance du monde extérieur complètement exacerbée. On a une polarité masculine qui est redevenue farouche au monde entier. Et donc par rapport à la polarité féminine, mais pas seulement, hein, par rapport au monde entier. Tu vois? Alors qu'on a quand même une petite responsabilité de sa part par rapport à tous les tourbillons qu'il ou elle traverse. On a tous notre part de responsabilité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui passe aussi par certaines phases de colère envers des éléments extérieurs, donc envers la polarité féminine, pour
Parce que pour cette personne, la polarité féminine, par moment, est responsable d'une partie des tourbillons qu'il ou elle traverse. Hein. Attention, hein. Si c'est toi la polarité féminine, pour certaines choses, il ou elle te tient pour responsable. Okay? Et puis, dans d'autres moments, cette personne change d'avis et porte l'entière responsabilité de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui s'est perdu dans ses pensées, c'est quelqu'un qui s'est perdu dans son élan et qui a pris peur au dernier moment. Qui a pris peur au moment de passer un cap, au moment d'assumer ses actes, au moment d'assumer ben, certaines responsabilités, certaines décisions. Le changement lui fait très peur, la transformation de la vie lui fait très peur, mais c'est quelqu'un qui hésite énormément, inconsciemment, au fond de lui ou au fond d'elle. C'est quelqu'un qui a énormément besoin de changement, qui a besoin de changer de vie, qui a besoin de changer de quotidien. Qui a besoin d'être clair aussi par rapport à ce qui se passe dans son cœur et puis aussi par rapport à une possible dépendance affective. Là, on te parle d'une dépendance affective chez une polarité masculine qui a été ravivée, qui a été relancée parce que on lui a fait peur. Parce qu'il ou elle a eu peur. Parce qu'il ou elle est retombé dans des discours au conditionnel, dans des scénarios. Dans des scénarios catastrophes, au lieu de se dire, OK, je traverse peut-être un moment où je dois affirmer mes choix, ce sera peut-être inconfortable pour moi pendant quelques temps, mais je sais que à l'issue de cette période inconfortable, je vais vraiment me sentir mieux et je vais vraiment retrouver l'équilibre qui est le plus fait pour moi, en fait, depuis longtemps, l'équilibre qui m'appelle depuis longtemps. C'est comme un enfant, si tu veux, qui te réclame un cadeau. Un enfant qui, au mois de janvier, te réclame un super super cadeau, quelque chose d'hyper convoité, hyper à la mode pour Noël. Noël de la même année, si tu veux. Il te réclame ce cadeau, il te réclame ce cadeau pendant toute l'année. Pendant toute l'année, hein, tout le monde cherche ce cadeau. Tout le monde cherche. Il est introuvable, il est en rupture de stock, mais tout le monde cherche parce que c'est ça. Ça, c'est le cadeau. Tu vois? Et cet enfant-là se dit, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui me rendra heureux, c'est ça qui m'aidera à me sentir bien. Arrive Noël. Ce cadeau, il est sous le sapin. Cet enfant sait où il se trouve, ce cadeau. Cet enfant sait qu'il va avoir le cadeau. Ah. Et oui, mais entre-temps, il a entendu des choses sur ce cadeau. Des choses qui lui ont fait peur. Certaines personnes lui ont raconté certaines choses, jusqu'à le dégoûter en fait, ou jusqu'à le faire douter en fait de sa réelle volonté de vouloir ce cadeau. Est-ce que vraiment ça le rendra heureux? Est-ce que vraiment il sera content ou elle sera contente en fait de l'avoir? Finalement, on ne sait pas trop. Ah, ben arrive Noël, on lui a tellement fait peur, on lui a tellement distiller comme ça des pensées limitantes qui ont attisé le mental, qui ont attisé les peurs, qui ont attisé les doutes, qui ont attisé un besoin d'affection différent, plus dépendant. Ben, le cadeau il reste sur le sapin et puis le petit va déballer un autre petit cadeau offert par quelqu'un d'autre qui n'était absolument pas prévu et qui ne correspond absolument pas à ce dont il a réellement envie au fond de son cœur. Donc c'est un petit qui va déballer ce cadeau, qui va jouer avec, qui va regarder du coin de l'œil le cadeau qu'il a voulu toute l'année au pied du sapin, mais qui va pas y toucher. C'est une image un petit peu particulière, c'est une métaphore particulière, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre que si c'est toi la polarité féminine, là on a une polarité masculine qui sait que tu existes, qui sait que tu es là. Mais qui a traversé une période de doute, une période de remise en question, qu'il ou elle n'a pas envisagée d'une façon bien pertinente. Tu vois? Encore une fois, il y a un entourage un petit peu toxique, un petit peu limitant quand même. Hein. Vraiment là, pour le coup. Et puis on l'oblige aussi à rentrer dans des cases. Enfin, on l'oblige. Personne ne nous oblige. Hein. On choisit de laisser les autres nous obliger à. D'accord? Donc c'est ça. Donc c'est là pour l'instant on a une polarité masculine qui est clairement détruite. Hein. À l'intérieur c'est le chaos. C'est le chaos complet. Complet. Mais quelque part ça fait partie de son parcours.
Ça fait partie de son développement, c'est nécessaire. C'est nécessaire à ce qu'il ou elle se réveille, en tout cas dans sa vie. Encore une fois, je ne te parle pas de réveil spirituel, je te parle juste d'un réveil général dans sa vie. Comme pour se dire, à un moment donné, tu vas arrêter de subir un petit peu ton entourage, tu vas arrêter de subir tes peurs, ou c'est commun. Concrètement, c'est ça qu'on est en train de lui dire. Hein. C'est ce que l'univers est en train de lui dire. Hein. Tu vas subir ta vie pendant combien de temps? Tu vas avoir peur de la vie pendant combien de temps encore? Nous, on t'envoie des signes et tu en fais quoi? Tu les regardes passer. Tu les comprends pourtant. Pourquoi tu n'en fais rien? Ça fait partie parfois de la polarité fuyante hein, dans le parcours FJ. Alors ça dure plus ou moins longtemps suivant les personnes. Si c'est toi la polarité féminine, vraiment continue. Continue ta vie, continue de vivre, continue d'évoluer, continue de penser à toi. Continue! Continue de travailler sur ton développement personnel, mais dans le but de te sentir mieux dans ta vie à toi. Déjà, dans un premier temps. Ok ? Là, je te dis que c'est le chaos, mais c'est temporaire. Hein, c'est temporaire. Hein. Mais visiblement, le mois d'avril apparaît comme une date significative pour cette polarité masculine. Alors, c'est peut-être une polarité masculine qui est née au mois d'avril. Peut-être que vous vous êtes connus au mois d'avril. Peut-être que c'est le mois de naissance de l'énergie tierce. Peut-être que c'est pendant un mois d'avril de n'importe quelle année que cette polarité masculine a pu bénéficier d'un contrat significatif au niveau de sa carrière. Voilà, il y a quelque chose qui apparaît comme un cycle comme ça, très ponctuel, mais qui va être presque décisif en fait, tu vois. Et là, on a une polarité masculine qui angoisse à l'idée de revenir à ce mois d'avril. Quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, on peut te parler du mois d'avril passé comme du mois d'avril qui arrive. Tu vois ? Donc c'est quelque chose de très cyclique qui se passe en lui ou en elle, très agité. J'ai rarement vu de guidance aussi agitée que ça. Laisse-lui du temps. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il ou elle peut se donner du temps. Se donner du temps, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas retomber dans une dépendance. Se donner du temps, c'est prendre du recul, potentiellement se mettre un petit peu en retrait des énergies qu'on détecte un petit peu comme vampiriques pour réfléchir consciemment et faire des choix. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant a du mal à saisir la nuance, en tout cas refuse la nuance, hein, parce que c'est quelqu'un qui a toutes les capacités de comprendre toutes ces subtilités. On a peur, on hésite. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, là, on a une polarité masculine qui pourrait reprendre avec toi à un moment donné où il ou elle aura l'impression d'avoir quelques réponses à ces questions bien sombres, si tu veux. Donc, dans un mouvement d'enthousiasme, un mouvement de ce que il ou elle considérera comme du courage, tu pourrais avoir, si c'est toi la polarité féminine, tu pourrais avoir une prise de contact de sa part. Rien de bien fou non plus, rien de bien flamboyant, hein, si tu veux. Hein. Méfie-toi, hein, par contre, de ce côté-là, je préfère te le dire, méfie-toi, parce qu'on risque d'avoir des mots qui dépassent le courage, qui n'habitent pas vraiment son cœur en ce moment. D'accord ? Ce ne sont pas des mots qui dépassent ses pensées, parce que c'est quelqu'un qui est réellement attaché à toi, mais qui est particulièrement défaitiste, vraiment, qui est particulièrement défaitiste et qui a l'impression comme ça d'être à genoux devant le monde entier et qui déteste cette impression-là, en fait. Vraiment. Donc, on a besoin de se sortir du mental, on a besoin de faire sauter ce blocage pour essayer de comprendre qu'en fait on a évolué, on a grandi, on n'est plus la même personne qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, on a une polarité masculine qui n'a pas encore compris ça, si tu veux. Et ce sont ces blessures d'enfance et ces dépendances passées qui reviennent en fait, parce qu'elles n'ont absolument pas été surmontées là pour l'instant. Alors elles n'ont pas été épurées, elles n'ont pas été comprises. Ok ? Et il ou elle est entouré de personnes qui ne l'aident absolument pas à comprendre ces dépendances. On le pousse ou on la pousse à entrer dans une case un petit peu pour être tranquille, si tu veux. Mais ça peut pas être efficace sur le long terme, ça aussi. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui va s'en sortir, mais qui a besoin d'énormément de temps et qui est extrêmement fatigué pour le moment. D'accord ?
Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Si tu es la polarité féminine et que tu as envie de lui envoyer un petit peu de pensée positive, vas-y. Mais là aussi, je te conseillerais de doser. Garde-en pour toi, vraiment. Garde-en pour toi. C'est quelqu'un qui a besoin de faire son travail personnel. Voilà. Qui a besoin voilà. Il ou elle a choisi de ramer davantage plutôt que de saisir les opportunités. On est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma limitant, quel que soit le domaine de notre vie, quel que soit le moment de notre vie. Donc, tolérance, ouverture, détachement aussi, et puis ça va aller. Au bout d'un moment, ça va aller. Ok ? Allez, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.